C'est pour ça qu'on vous a montré ces images, parce que nous entamons la dernière phase de la compétition et il y aura la barre fixe. C'est la raison pour laquelle on vous a montré cette insolite finale du ruban, la plus belle, j'allais dire, de la GRS. Mélanie Boisdé d'Orléans. Quand je parlais de plus belle, je voulais dire de plus belle discipline des cinq proposées par la GRS. C'est la plus artistique, la plus émouvante. C'est aussi, on peut le dire, celle qui séduit le plus les téléspectateurs. Oui, c'est la plus visuelle. Le ruban fait des dessins dans l'espace particulièrement appréciés, particulièrement jolis. Voilà des images donc très différentes de la caméra embarquée qui nous ont été présentées tout à l'heure à la barre fixe. Là aussi, ça c'est pas facile à rattraper, le ruban qui retombe avec la grosse difficulté, c'est de récupérer la tige. Très joli là. Aïe aïe aïe. Ah oui. Non, je... complet. Là, c'est très dur de repartir. Bon, Mélanie Boisdé fait partie des jeunes, très jeunes, gymnastes qualifiés pour cette finale nationale. Mais ensuite, vous verrez Caroline Stepanoff, Amélie Villeneuve, Eva Serrano, Magali Poisson et Stéphanie Delaya. Vous savez, Michel, les sports qui n'exigent pas de perfection, eh bien, on n'arrive pas à détecter les fautes. Ça, c'est sûr.